Charles Louis, Andrea, bienvenue. Bienvenue. Bravo à vous, bravo. Félicitations. On va vous remettre avec. C'est bon, ça marche. Oui, pardon. Voilà, on a les fruits reviennent par. Messieurs, si vous voulez bien vous avancer. Mesdames. Les fruits remis par Francis Le Goff, le directeur de course. Et le champagne par Damien de Longville, tartinet Transat. Et café espresso. Si, merci, Guido. Comme le pain de croix, écoute. Meglio che il caffè, questo. Dipende. Bravo messieurs, on va recueillir un petit peu vos impressions quelques instants. Après, on vous laissera vous reposer. Il y a un repas qui vous attend pour vous poser un peu tranquillement. C'est atypique, mais ça va être depuis en train, parce que ça tourne. C'est la cause que ça tourne même. Qu'est-ce que tu retiens de cette course là? Alors le positif, ouais. Avec Andrea, on a fait, on était, avant c'était super, c'était plus d'amour, du début à la fin on s'est marré, même dans les moments durs on est toujours reparti, on s'est toujours marré. Il n'y a pas une seule fois où on s'est oublié ou quoi que ce soit, c'était vraiment trop bien. Ensuite, pour moi, sympa, j'étais vraiment très très étonné, je pense que moi aussi. Tout le monde de la Transat, il n'y a plus de dauphins, il n'y a plus de poissons volants, il n'y a plus d'animaux. Les premiers oiseaux qu'on a vus, c'était il y a 3 jours.
Les premiers poissons volants, c'était genre quelques jours après Salle. Et nous deux, ça fait 15 ans qu'on fait ça, qu'on fait la transcrit, etc. Et là, c'est juste aberrant de voir à quel point la Chine est en train de mourir. C'est le désert. C'est le désert. Mais c'était très cool quand même. Les sargasses aussi. Les sargasses aussi, ouais. Apparemment, c'est Bolsonaro qui coupe l'Amazonie, les sargasses. C'est de pire en pire. Hein. Donc, ouais, non, c'est. Non, c'est. Pour ça, c'est un peu triste. Mais sinon, niveau course, etc., nous, on a passé un super moment. Votre objectif sportif, votre place, où est-ce que vous allez faire mieux, à quel moment? Alors, je pense qu'on a fait un très joli début de course. On a fait une très belle remontée les premiers jours. Ensuite, jusqu'à Salle, on a fait vraiment un très très beau début de course. Ensuite, on n'est pas les meilleurs en tactique, les deux. Et on a fait une grosse erreur par rapport à la flotte. On n'a pas eu le courage d'aller assez sud, assez vite. Et c'est vrai que c'est là qu'on a payé, qu'on a perdu mon positionnement. Ensuite, c'est sûr que là, quand on voit les nouveaux bateaux, on ne peut plus faire grand chose. C'est vrai que quand on voit la mode qui était vraiment très très bien placée, qui a mis les chevaux, qui était à fond la caisse, ensuite, il y a des bateaux qui étaient à tèche les mains derrière. Et puis, dès qu'ils ont leur position, c'est sûr qu'ils ont plus de position depuis tout le monde quand il y a un truc vide. C'est pas grave, c'est le jeu. Depuis j'ai un bateau 356, ceux qui étaient dessus avant, c'était exactement la même chose pour les bateaux d'avant. Et c'est normal. Sauf que là, il y a quand même un bateau. Andrea, je suis Stefano. Stefano? Stefano. Où est Stefano? Andrea. Ciao Stefano. Ciao, bene. Noi bene, voi come state? Bene, bene. Adesso bene. Una transat dura, lunga, infinita quasi, no? In italiano? Sì, in italiano. Ok. Sì, è stata un po' atipica perché appunto la meteo in realtà è stata super clemente con noi, quindi non abbiamo avuto depressioni, fronti da passare, insomma è stata abbastanza tranquilla. È stata lunga, come diceva Char, peccato perché c'avevamo effettivamente un po' creduto a Capo Verde, insomma eravamo piazzati bene, poi abbiamo fatto questo errore di non andare a sud e l'abbiamo pagato, però pazienza, insomma le regate transatlantiche sono così, gli altri sono tutti marinai molto bravi, io non voglio trovare gli alibi e le scuse con le barche nuove che sono più veloci, anche secondo me è sempre il marinaio che fa la regata alla fine. E, comunque io sono super contento, e per me è stata una regata bellissima e soprattutto quello che mi porterò di più dietro sarà l'amicizia che si è creata con Shark, alla fine è stata un po'. Cioè alla fine sono sempre le persone che fanno la storia che stai vivendo e per me questo è stato il caso, insomma la ragazza, cioè la parte sportiva è importantissima, però la parte umana penso che è quella che ti rimane per sempre, quindi il mio bilancio di questa Jacques Vabre è non positivo, è iper positivo e sono super contento. Parlando di Jean-Louis, Jean lo diceva, un messaggio importante rispetto alle condizioni che avete trovato in mare, un oceano che avete visto morire, Charles diceva. Che miseria, è impressionante, sì. Cioè, qui è la 18esima transat che faccio, è effettivamente allucinante. Cioè, io non abbiamo mai visto, abbiamo visto una volta i delfini, un po' di pesci volanti e basta. Impressionante. E poi comunque anche la situazione meteo che abbiamo trovato non è una cosa normale, insomma, indice che le cose stanno cambiando veramente e bisognerebbe fare qualcosa il prima possibile. Grazie. Grazie. Un messaggio un po' più. Grazie. 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 Grazie.